Des moments difficiles, la Bible déclare qu'ils ont crié à toi. Et comme toute réaction, la Bible dit, tu leur envoyas ta parole et celle-ci leur apporta la guérison. Cette parole que tu as placée dans mon cœur, je veux la partager avec fidélité. Mais alors que j'ai ce désir, je reconnais aussi mon humanité, c'est-à-dire mes limites et mes imperfections. C'est pourquoi je prie que tu transcendes en moi tout ce qui peut m'empêcher d'être ce canal fidèle. Enfin que je ne partage que ta pensée et ta pensée seule. Amen. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, amen. Amen. Que Dieu soit béni. Reprenons nos places. Je voulais d'abord commencer par rendre grâce à Dieu qui, comme je l'ai dit dans la prière, est le maître des temps et des circonstances qui permet que je sois au milieu de vous. Mes remerciements vont aussi au pasteur Jean Dini, que je connaissais les réputations. Bonne réputation, je dois avouer. Et finalement, Dieu permet que nous puissions nous voir. Merci aussi à vous d'être là ce matin. Qu'est-ce que je vais partager de la parole de Dieu? Qu'est-ce que je vais partager? C'est simplement la parole de Dieu. Et je prie que je puisse la partager avec vous jusqu'au verset 63. Les grands prêtres et tous les Sanhédrins cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour les faire mettre à mort. Mais ils n'en trouvèrent pas, quoique beaucoup de faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, il a dit, je peux détruire les sanctuaires de Dieu et reconstruire en 3 jours. Les grands prêtres s'éleva et lui dit, tu ne réponds rien. Que dis-tu des témoignages que ces gens portent contre toi? Et soulignez ce qui va suivre. Jésus gardait les silences. Les grands prêtres lui dit, je t'assure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, les fils de Dieu. Le second passage que nous lisons, c'est Matthieu au chapitre 27. Nous lisons du 11e au 14e verset. Matthieu chapitre 27, du 11e au 14e verset. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur lui demanda, es-tu le roi des Juifs, toi? Jésus lui répondit, c'est toi qui l'es dit. Mais il ne répondit rien aux accusations des grands prêtres et des anciens. Je voudrais les répéter encore, mais il ne répondit rien aux accusations des grands prêtres. Alors, allons-y le verset suivant. Alors Pilate lui dit, tu n'entends pas tous ces dons, ils t'accusent. Mais il ne lui répondit sur aucun point. Et j'aime bien la conclusion, ce qui étonna beaucoup les gouverneurs. Nous lisons aussi Ésaïe au chapitre 53. Verset 7, Ésaïe 53, verset 7e. Maltraité, affligé, et j'aime, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable au mouton commun à l'abattoir, à une brebis muette devant ce qu'il attend, il n'a point ouvert la bouche. Amen. Reprenons nos places. Ce matin, en séjour, nous pouvons acclamer. Ce matin, en séjour des Pâques, où nous célébrons non seulement la mort, mais bien plus la résurrection de notre Seigneur et Sauveur. Dieu m'a mis à cœur de parler sur le thème « La Pâque, jour de victoire par les silences ». La Pâque, jour de victoire par les silences. Je parlerai beaucoup du silence, quelque chose que la plupart d'entre nous ont difficile à pratiquer. Certains le pratiquent simplement quand ils dorment. Parce que parler pour eux, c'est un sport national.
Et surtout quand nous les verrons parler dans le but de se justifier, de prendre de l'encendant, de faire changer d'avis des gens sur certaines situations. En lisant, en étudiant la parole de Dieu, je me rends compte que quelquefois Dieu se sert du silence comme une stratégie pour nous donner la victoire. Dans Exode, au chapitre 14, versets 10 à 14, alors que Israël est en train de sortir de l'Égypte, pourchassé par les chars de Pharaon, il voit les chars de Pharaon qui s'approchent, et puis la mer Rouge, un obstacle grand devant eux, ils paniquent. Et j'aime ce que le Seigneur leur dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Quelquefois, quand Dieu veut rentrer dans nos combats et nous donner la victoire, il nous propose le silence. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Comme pour dire, si vous voulez parler, alors je vous laisserai vous battre seul. Mais si vous voulez que j'intervienne en votre faveur, gardez silence. Aidez-moi à poser la question à votre voisin, est-ce que vous savez vous taire de temps en temps? J'entends un voisin sincère qui dit, moi, pas beaucoup. Dans Lamentation de Jérémie au chapitre 3, au verset 26, encore le silence est présenté dans ses vertus. Le prophète parlant de la part du Seigneur dit, il est bon d'entendre en silence les secours de l'Éternel. Il est bon, il est bon. La version Nouvelle Bible Seconde dit, c'est une bonne chose d'entendre à silence les secours du Seigneur. Et les deux passages que nous avons lus, étranges, Matthieu 26, 59 à 63 et Matthieu 27, 11 à 14. Jésus-Christ est l'objet de fausses accusations. On les dépeint tel qu'il n'est pas. On les présente sous un mauvais jour. Sa réputation est en jeu. C'est un imposteur. C'est quelqu'un qui... Il est faux. Je voudrais qu'on me remette ça à Matthieu 27, 11 à 14. Savez-vous que la réputation d'une personne, c'est toute sa vie. C'est une richesse. Il comparut devant le gouverneur. Le gouverneur lui dit, es-tu le roi des Juifs? C'est le seul moment où il répond, presque. Il dit, c'est toi qui l'as dit, Jésus. Il savait répondre. Et la suite? Mais il ne répondit rien aux accusations des grands prêtres et des anciens. Je reviendrai sur cela tout à l'heure. Quand il ne répond pas, ce n'est pas qu'il n'a pas quelque chose à dire. C'est un choix. C'est une décision qu'il prend. Allons-y, le verset suivant. Mais il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, tu n'entends pas tout ce dont il t'accuse. Il a l'impression qu'il doit avoir un problème d'audition. Tu n'entends pas. Mais il ne lui répondit sur aucun point. Et la conséquence, ce qui étonna beaucoup, les gouverneurs. Vous savez, il y a des gens, quand ils sont coincés, accusés, ils ont envie d'avoir trois bouches. Et chacune des trois soit active pour défendre sa cause. Lorsque nous parlons des silences, ces mots cachent trois idées principales. Premièrement, les silences, c'est l'effet de se taire ou de ne pas parler, mais par choix. Deuxièmement, le silence, c'est le fait de ne pas vouloir exprimer sa pensée ou ses sentiments, même si on en a. Je suis marié le 30 octobre prochain, ça fera 30 ans que mon épouse et moi, on est mariés. Mais depuis 11 ans, je regrette un jour où j'aurais dû être silencieux, ou dans la frustration, j'ai exprimé quelque chose, au fait que je ne pensais pas tellement, mais la frustration m'a poussé à lâcher cela. Elle et moi, on était allés prêcher dans une province de notre pays, les Katanga, et on s'est frotté durant quelques moments. Elle a haussé les tons, j'aurais dû me calmer, j'ai rehaussé. Elle a rehaussé, j'ai rehaussé, parce que je voulais avoir de l'encendant. Et puis elle a lâché une phrase qui m'a fait très mal. J'oublie jamais, je suis resté 30 secondes et puis j'ai dit, je regrette de t'avoir épousé. Je ne le pensais pas tellement, mais c'était le fruit de la frustration. Une heure après, j'ai demandé pardon.
depuis 11 ans, ça revient de temps en temps. Il y a des jours où on est calme. Je me souviens, 3 ans après, un jour, je la vois triste. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Roland, je pense à cette phrase-là que tu avais prononcée. Tu as regretté de m'avoir épousé. J'ai dit, mais je me suis excusé après. Je pensais à ce que mon pasteur, le feu Jacques-André Verneau, disait. Il disait, les mauvaises paroles sont comme un clou enfoncé dans du bois. Vous savez, quand vous enfoncez un clou dans du bois, vous allez voir peut-être après les clous, mais les trous restent. J'ai dit, j'aurais dû me taire. Et depuis lors, j'ai appris à utiliser le frein à main. Troisième définition du silence, c'est l'abstinence volontaire de la parole. On s'abstient de ne pas parler. Cet avant-midi, je parlerai de 9 choses attachées au silence. La première des choses, c'est que le silence n'est pas une chose à pratiquer en permanence. Car il y a des moments où se taire n'est pas et ne sera pas une bonne chose. Mais il y a des moments où se taire, c'est une bonne chose. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er, ainsi que verset 7e, les sages déclarent, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Mais au verset 7, il dit, il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Mais il y a certains qui n'ont qu'un temps pour parler, pas pour se taire. Mais les sages disent, il y a un temps pour parler, mais aussi il y a un temps pour se taire. J'aime beaucoup ce que la version Les Semeurs dit, il y a un temps pour garder les silences et un temps pour parler. Deuxième chose attachée au silence, étonnant, la Bible nous montre et nous dit même qu'un jour, le silence sera pratiqué durant 30 minutes dans la présence de Dieu. Apocalypse chapitre 8 au verset 1er, quand l'apôtre Jean est en train de voir tous ces événements glorieux, attaché à ce qui vient bientôt, attaché à notre espérance. Il dit quand il ouvrit les 7e sceau, il y eut dans les ciels un silence d'environ une demi-heure. Tout s'arrête. Même la louange et les chants des anges qui d'éternité en éternité ne s'est jamais arrêté, un jour Dieu demandera que ça s'arrête. 30 minutes de silence complet. Si Louis II parle d'un silence, la version Alfred Quinn, Parole vivante, parle d'un silence profond. Troisième chose attachée au silence, nous aimons souvent, non pas les silences, mais son contraire. Nous aimons parler, et nous aimons parler pour plusieurs raisons, argumenter, nous défendre, prouver des choses, surtout notre innocence. Nous aimons aussi parler pour nous protéger des attaques et des fausses accusations. J'oublie jamais, à l'époque, je n'avais pas un ordinateur chez moi à la maison en 2008, je devais aller au cybercafé pour répondre au courrier. Je reçois un mail, quelqu'un m'écrit, je pense, allez, en 2 paragraphes, il m'accuse faussement des choses que je n'avais pas faites. En général, c'est ma jambe droite qui me montre mon degré d'excitation et de colère. Alors que je lisais, ça a commencé à bouger. Et je revois encore comment je vais dans ce cybercafé. Je paye d'abord pour les 30 premières minutes. Et j'ai écrit 8 paragraphes pour répondre. Et à chaque paragraphe, je voulais mettre les mots qu'il fallait. Je disais, là, quand elle va lire, elle va bien pleurer. Mais après la 30e minute, je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant. J'ai ajouté encore 30 autres minutes. À la fin, j'ai écrit 16 paragraphes. Et quand je voulais envoyer, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, Roland, efface et tout. J'ai dit, non, Seigneur, toi, tu es au ciel. Il y a des choses que tu ne vis pas. C'est ma vie, ma réputation. J'ai dit, non, Seigneur, non. Tu vois les choses pour lesquelles je ne voulais pas être ton enfant. Et il me dit, dis seulement au frère, à la sœur qui a eu écrit ça, merci pour tout, que Dieu te bénisse. J'ai dit, non, Seigneur, non, 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 non.
Qu'est-ce que nous aimons argumenter? Dans Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 1er, alors qu'on l'accuse faussement, Paul ouvre la bouche, écoutez ce qu'il dit. « Oh mes frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. » Qu'est-ce qu'on aime se défendre? Acte 26, au verset 1er, alors qu'on l'accusait aussi faussement encore, Paul a eu la possibilité, par l'usage et la parole, de changer la donne. La Bible dit, Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et la Bible dit, et Paul ayant étendu la main, s'est justifié en ces termes, s'est justifié. Qu'est-ce que nous aimons nous justifier? Surtout aujourd'hui avec Facebook, parole contre parole. Un frère m'a dit un jour, il ouvre son Facebook, on l'accuse faussement vers 23h, il dit, j'ai envie que les aiguilles de la montre tournent, que demain les gens voient ma réplique. Quatrième vérité attachée au silence que Christ a pratiqué les jours de la Pâque, c'est que tout le monde ne connaît pas sa valeur ou son efficacité. Seul le sage connaissent non seulement cette arme, connaissent sa valeur, son utilité, et surtout quand et comment l'utiliser. Dans Amos, au chapitre 5, au verset 13, le Seigneur parlant par la bouche du prophète, il dit, « Voilà pourquoi en des temps comme ceux-ci, les sages s'étaient, car les temps sont mauvais. » La sagesse nous rendra capable de dire, est-ce que je dois parler maintenant ou je dois me taire? Je définis simplement la sagesse comme la connaissance, mais appliquée. En des temps comme ceux-ci, les sages s'étaient. La version Tob dit l'homme avisé. La version Martin dit l'homme prudent. Cessez taire. Proverbes chapitre 11, verset 12, placez-moi ce passage, merveilleux passage. La Bible déclare, l'homme qui a l'intelligence, c'est quand se taire, il sait quand se taire. Proverbes 17, au verset 28, dit, celui qui sait quand il doit fermer les lèvres est un homme intelligent. Celui qui sait quand il doit fermer les lèvres, est un homme intelligent. Sixième vérité attachée au silence. Des fois, Dieu nous imposera le silence. C'est-à-dire non seulement l'inaction verbale, mais l'inaction tout court. Nous l'avons lu tout à l'heure, Exode 14, verset 14. Alors qu'Israël est agité en voyant l'adversité, Moïse dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. La version des Semeurs dit, et vous tenez-vous tranquille. Mais la version Darby dit, devenez tranquille. Ça sera sûrement un processus. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, au verset 28, 29 et 30. Il est parlé de celui qui se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il y a des silences imposés par Dieu. Et il est même ajouté, il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre espérance. Et le verset 30 dit même, il présentera la joue à celui qui le frappe et il se rassasiera d'opprobre. Juin 2019, j'apporte un message chez nous au pays qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Durant 2 semaines, on m'a massacré sur Twitter, sur Internet. Et ma fille qui est en région parisienne, chez mon ami Cyril, ne peut faire parvenir un élément sur Twitter avec plus de 450 000 vues. On a mis ma photo, quelqu'un a dit, aidez-moi à injurier cet homme. Alors elle m'appelle, elle me dit, papa, trop, c'est trop.
Je dois réagir, je dois répondre. Je dis, toi, tu es Dalot par procuration. Le vrai Dalot, c'est moi. Et si le vrai Dalot, c'était, tu as l'obligation de te taire. Sixième vérité à ta chose, sixième vérité à ta chose, silence, c'est que contrairement à ce que l'on peut penser sous tous les mondes, le silence ou l'absence de réaction n'est pas toujours signe de faiblesse. C'est plutôt souvent un signe de force, pas force extérieure, mais force intérieure. Le silence est un signe de force de caractère et de maîtrise de soi. Celui qui se tait par choix, qui choisit de se taire alors qu'il peut parler, alors qu'il a des choses à dire, il est fort. Celui ou celle qui choisit de garder le silence prouve deux choses, la maturité. Mon pasteur, le frère Jacques-André Vernon, nous enseignant sur la maturité spirituelle, nous a dit cette phrase que je n'ai jamais oubliée. La première, il a dit, la vraie maturité ne se mesure pas par nos actions, elle se mesure surtout par nos réactions. Et il a dit la deuxième des choses, il a dit sur le chemin de la vie, nous ne serons pas toujours maîtres des actions des gens vis-à-vis de nous, mais nous serons toujours maîtres de nos réactions. C'est que les gens nous font, des fois nous ne les conditionnons pas. Quelqu'un peut te rencontrer, il t'injure, un imbécile, ça c'est lui, mais tu as le choix de te taire. Lui a dit seulement imbécile ou alors d'en ajouter sept. Le silence est la capacité à dominer son homme intérieur. Le silence montre aussi que nous sommes morts à nous-mêmes. Mais l'Église est remplie aujourd'hui des hommes et des femmes qui ne sont pas morts en eux-mêmes, mais qui sont évanouis spirituellement. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de cet homme qui, avant sa conversion, sa spécialité, c'était donner des coups de tête aux gens et fendre les lèvres. Et dans le quartier, il était connu pour ça. Et puis un beau jour, les pasteurs le voient venir à l'Église. Il commence à suivre les cultes, on lance l'appel pour recevoir Christ. Et soit 6 mois après, il doit passer par les eaux du baptême. Le jour où on veut les plonger dans les eaux du baptême, il dit, pasteur, tu te souviens, j'avais la réputation de fendre les lèvres? Il dit, oui. Alors j'aimerais te dire, celui qui fendait les lèvres, et tout à l'heure il va descendre les eaux du baptême, et le vieil homme qui fendait les lèvres, il va rester là, là, là. Et la nouvelle créature va ressortir. Le pasteur dit, ok. On les plonge dans les eaux du baptême. Tout est calme durant 6 mois, jusqu'à ce qu'un jour, le pasteur de son bureau, il entend un bruit. Il tire les bâtons, il voit quelqu'un aux lèvres fendues. Et qui il voit en face? Les frères et les frères. Oh! Mais il m'avait dit que le vieil homme était resté dans les eaux du baptême. Il appelle, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu viens encore de fendre? Il dit, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais tu m'avais dit que le vieil homme était resté dans l'eau. Il dit, je ne savais pas que le vieil homme savait nager. Je l'avais laissé dans les eaux du baptême, il a nagé. Et il est ressorti. Mais celui ou celle qui sait pratiquer le silence quand c'est nécessaire maîtrise les vieil homme. Il sent qu'il veut, les vieil homme veut dire répond. Argument contre argument. Mais l'homme né de nouveau dit je ne dois pas les faire. Le silence montre aussi une capacité à se dominer hors pair. Le monde est rempli, mais malheureusement, même l'Église est remplie de motifs primaires. Les gens qui ont les nerfs à fleur de peau, prêts à réagir pour un rien. Matthieu 27, que nous avons lu versets 12 à 13, mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Verset 13, alors Pilate lui dit, entends-tu combien de choses il t'accuse? Verset 14, qu'est-ce que j'aime ça? Et Jésus ne donna des réponses sur aucune parole.
Et le gouverneur est étonné. Quel genre d'homme? Quel genre d'homme? Septième chose, septième vérité attachée au silence. C'est que le silence comme arme de combat et surtout de victoire n'est pas à la portée de tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, plusieurs, tout en étant enfants de Dieu, n'aiment pas l'utiliser. Ils préfèrent d'autres armes. Ou soit volontairement, ils préfèrent ne pas l'utiliser parce qu'il semble que c'est une arme trop sophistiquée et compliquée pour eux. Seule une petite minorité, non seulement l'utilise, mais l'utilise bien, parce que cette minorité connaît sa valeur, connaît ses vertus, connaît son efficacité. Comme je l'ai dit, ce sont des hommes et des femmes, non seulement matures, mais des hommes et des femmes de foi, qui connaissent Dieu, qui peuvent se reposer sur lui et lui faire confiance même dans les moments difficiles. Hébreux 5, 14, parlant de ces hommes et de ces femmes, les appelle les hommes faits, matures. Mon pasteur disait, la maturité dans la vie chrétienne ne se mesure pas par la longévité dans la foi, Amen, mais par la capacité à vivre et à pratiquer la parole de Dieu. Amen. Il y a des gens qui peuvent connaître l'histoire de cette église, mais des bébés dans la foi, des bébés dans la façon de vivre. Mais il y a certains qui sont nés de nouveau il y a quelques temps, mais qui pratiquent la parole de Dieu. J'aime quand l'apôtre Paul dans Colossiens 4, verset 6 dit, apprenez à répondre avec à propos et selon le besoin de chacun aux questions que l'on vous pose. Huitième et avant-dernière vérité attachée au silence, c'est que comme arme, le silence peut avoir deux facettes. La première facette, c'est que le silence coûte à celle ou à celui qui les pratique. Ça coûte de voir sa réputation être traînée à la boue. Ça coûte de voir qu'on vous traite, on vous présente sous un jour qui n'est pas le vrai. Ça coûte. Mais deuxième facette, c'est que le silence rapporte. Le silence peut nous coûter notre réputation parce qu'on dit qu'il n'est dit mot qu'on sent. Parce qu'il s'est tu, donc c'est que c'est vrai. Ça peut toucher notre amour propre et notre ego. Ça nous fera souffrir et ça nous donnera l'impression que nous laissons les autres prendre l'ascendant. Et même ça donnera l'impression aux autres que nous sommes faibles. Nous manquons d'arguments, nous manquons d'éléments de défense. Et même certains peuvent dire au travers de notre silence que nous sommes fautifs, coupables. Mais j'ai vu quelquefois les silences apaisent les querelles. Les silences calment les tensions. Les silences empêchent quelquefois que les tensions s'enveniment. Mais comme je l'ai dit au début, les silences dans ma petite marche avec Dieu est souvent l'occasion dont Dieu se sert comme moyen pour remettre les pendules à l'heure. Seigneur, aide-moi à apprendre à me taire. Je suis en train de faire une étude sur Jésus-Christ et les accusations, les étiquettes portées sur lui, je suis à la fois sidéré et interpellé. Il fait un miracle, on dit. C'est par Belzébul qu'il fait ça. Il va prêcher à un endroit, on dit, c'est un samaritain et il a un démon. J'essaie de m'imaginer la fois dernière, je dis, si Jésus avait vécu à l'époque de Facebook, ça aurait été terrible. Il guérit quelqu'un en crachant et en mélangeant salive et boue et il met sur les yeux. Je vois le lendemain les magiciens de Nazareth.
Tout se confirme, ce n'est qu'un magicien. Il parle à un endroit, on dit, il est hors de lui. Il égare la foule. Mais en aucun moment, il s'est justifié. La petite sagesse cachée derrière cette grande érosion que j'ai sur ma tête m'a enseigné que quelquefois certains, leur avis sur nous ne change pas après notre argument. J'ai souvent vu des gens vous argumenter, vous vous défendez, mais leur avis reste intact. Alors je me rends compte que j'ai gaspillé mon temps. Mais j'ai appris comment Dieu se sert d'un élément souvent, le temps. Le temps. Le temps. Savez-vous que Jésus, en mourant, on l'a présenté comme un imposteur? Et même jusqu'à aujourd'hui, plusieurs juifs ne croient pas en lui. Mais il a laissé le temps les justifier. Le temps nous manquerait de les lire, je vais juste les citer. Zacharie chapitre 12, versets 10 à 14, nous parle d'un événement qui se passera dans la suite des temps. Quand il y aura guerre de Gog et Magog, Israël qui s'est toujours appuyé sur les États-Unis et sur d'autres puissances, la Bible montre ces jours-là que tous ses alliés vont les lâcher. Et la Bible dit, ils crieront vers les Shiloh en lui disant, viens, interviens en notre faveur. Et ma Bible à moi dit qu'ils verront apparaître celui qu'ils ont pendu, celui qu'ils ont percé. Et la Bible dit, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. C'est ces jours-là qu'ils reconnaîtront, oh, celui que nous avons présenté comme un imposteur. Au fait, c'était lui notre sauveur. Mais pour qu'il soit réhabilité comme ça, il s'est tué, il a laissé Dieu se servir du temps. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Neuvième chose qui va m'amener à la conclusion et lancer un double appel. C'est que si le silence est nécessaire devant les hommes, on peut être silencieux devant les hommes, mais être bavard devant Dieu. On peut se taire devant les hommes et aller parler devant Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 1, verset 6, la Bible nous parle d'une femme qui s'appelait Pénina. Elle était dans un couple polygame et sa rivale l'a mortifiée. Les mots mortification veut dire que, allez, elle voulait toucher son amour propre et la poussait à voir qu'elle n'est qu'un bon à rien. Nulle part on voit Pénina, plutôt Anne, argumenter avec Pénina. Mais Anne fait quelque chose que j'aime beaucoup. 1 Samuel chapitre 1, verset 10. On peut me placer ce merveilleux verset. Et puis nous lirons le verset 13 jusqu'au verset 16e. Pénina la mortifie. Elle s'est mise à prier le Seigneur et à pleurer abondamment. On la touche dans son amour propre devant les hommes, elle s'était, mais elle va s'exprimer à un endroit. Devant Dieu, à ne parler dans son cœur. Seules ses lèvres remuaient, mais on n'entendait pas sa voix. Et lui pensant qu'elle était ivre. On peut monter. Alors il lui dit, jusqu'à quand resteras-tu ivre? Va cuver ton vin. Anne répondit, mon Seigneur, je ne suis pas une femme entêtée. Je n'ai bu ni vin, ni boisson alcoolisée. Mais j'aime ce qu'il dit. Je me répondais devant le Seigneur. Il y a des endroits où on peut être silencieux, mais il y a un autre endroit où on peut se répandre. Et ma Bible à moi dit, quand le juste crie, l'Éternel entend et de toutes ses détresses, il est délivré.
Et le fait de parler devant Dieu a produit des résultats. 1 Samuel chapitre 2, verset 1er et verset 3e. Quand finalement, Dieu a donné à Anne un enfant. Anne a dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Par le Seigneur, mon cœur exulte. Par le Seigneur, ma corne s'élève. Oh, finalement, il dit, ma bouche s'ouvre toute grande contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton salut. Avant, elle était fermée. Je ne parlais que devant Dieu. Mais maintenant, Dieu m'a exaucé. Je peux parler. Et il dit au verset 3, lui second, dit, ne parle plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne soit plus dans votre cœur. Ne multipliez pas les paroles hautaines. Qu'aucune insolence ne sorte de votre bouche. Car le Seigneur est un Dieu qui connaît tout. Par lui sont pesés tous les agissements. Je reviens encore sur ce merveilleux passage avec lequel nous avons commencé. Et puis j'ai lancé double appel. Matthieu 27, 11 à 14. Le Fils de Dieu. Celui qui au commencement était à côté du Père. Celui qui pour un temps a revêtu l'humanité. Celui qui a multiplié le pain, purifié les lépreux, guéri les malades, ressuscité les morts, changé de qualité de vie. Non seulement qu'on l'accuse faussement, mais on loue même les services des faux accusateurs. Ce qui est dit contre toi. Silencieux. En ce jour, Pascal, j'ai à cœur de nous inviter à baisser nos têtes. Je voudrais inviter notre chorale et nous